ça se passe dans ton intégration dans ton nouveau club? Très bien, ben, ça... Depuis deux mois et demi, je suis au club. Je commence à prendre mes marques. Là, c'est ma deuxième match de préparation. J'ai joué 30 minutes la dernière fois en championnat. Et là, c'est un match de préparation pour préparer le prochain match qui sera difficile contre Tours. Pour l'instant, ça se passe bien. On est quatrième. Et on reçoit le premier. Ça va être un grand match. Et c'est assez match, c'est bien de jouer. Et la blessure, ça va? La blessure, ça va. C'est comme on dit, c'est de passer. Là, il manque un petit peu de rythme. Physiquement, je ne suis pas au point. Mais bon, mon genou, il tient. C'est le plus important. D'accord. L'équipe nationale joue ce soir. Ça représente quoi pour toi? Tu vas regarder le match? Bien sûr, je regarde le match. En plus, on souhaite que l'équipe nationale gagne le match et fait un bon départ pour la qualification. Je pense que les joueurs sont prêts pour faire un grand match. Tu as des contacts avec eux, les joueurs? Pour l'Algérie. Bien sûr, j'ai des contacts avec quelques joueurs, notamment Halish. Je pense qu'ils sont concentrés pour faire un grand match. Et l'entraîneur, la dernière fois que tu l'as eu, le sélectionneur national? Je n'ai pas eu au téléphone. Pour l'instant, je pense qu'il prépare sa sélection. Moi, je prépare ma saison. J'aurai le temps de parler avec lui prochainement. Quand je serai au point pour revenir pour l'équipe nationale.